En fait, nous devons clarifier pour tout le monde côté nous lié dans le cadre du procès de notre plan. Il y a un procès qui finit, puisque l'équipe de ton plan, tu as la dernière parole, ainsi que le prosecuteur a la dernière parole. Et dans la phase nous, là, c'est côté 12 jurés pour gagner pour décider si ou non ton coupable, mais si ou non ton coupable, là, pas oublier que c'est pas un seul camp. Non, 34 accusations. Comprenez bien. Qui ne fait que il y a une possibilité pour tromper. Coupable parce que si il y a 34 accusations, c'est vraiment difficile pour dire pas coupable de youn. Ok? C'est ça que le prosecuteur avec vini avec toutes accusations. 34 accusations. Mais faut nous dire que juré l'étendait défense trop plan, l'étendait prosecuteur. Mais il était surtout juge là parce que le juge là bat l'instruction qui vient pour le gérer bah yo. Alors, le juge là bat instruction qui Jean a gagné pour décider. Il n'a pas juge là te dit. Juge là te dit et pour pas considérer et des arguments que avocat Trompe te fait. Il y a un argument côté que te dit puis gars ou voye Trompe en prison. Selon juge là commenter ça pas approprié. Et il n'a pas supposé tenir compte de eux-mêmes les a délibéré, les a décidé. Une autre chose encore, c'est que l'équipe a fait référence avec Michael Cohen qui a habituellement dit et qui n'a pas supposé condamner Trump sous base de ça Michael Cohen dit. Et donc, il dit pas qu'il a envoyé une prison sous base de parole Cohen. Cohen a habituellement menti. Et là encore, je dois te clarifier que il n'a pas qu'à sous base de ça passé parce que Cohen a son ancien avocat Trump. Il a même été condamné pour la prison. Ok? Donc, le juge a dit que il n'y a pas qu'à tenir compte sous base justement pour ta comme quoi fait trop passer pour innocent parce que Cohen t'est passé dans la prison ou bien parce que Cohen qu'on a habitué à mentir. D'ailleurs, c'est pas seulement cause de Cohen. Donc, 34 accusations de falsification de documents commerciaux. C'est ça vous comprenez. Et la vérité de notre entreprise pour passer une peine. Et parce que chaque accusation, ça vaut 4 ans. Chaque vaut 4 ans. Bon. Imaginez, vous êtes condamné pour 34, donc, ça t'a en bas été chargé. Mais ça a arrivé que dans le cas ça, le juge l'a fait, l'accusation a allé de manière simultanée. Il est obligé d'aller une de l'autre. Donc, ça a arrivé, c'est 4 ans. Mais ça vous comprend tout, c'est que ça a arrivé que le juge l'a décidé que M. Sionel, c'est ça qu'on y veut, pendant 4 ans, il est en résidence surveillée, il a bien pour le vin bail. Pour lui reporter, pour montrer qu'il est là. Ok? Maintenant, on nous regarde. Jeudi après premier jour, ça qui passe, c'est que Jurio, eh bien là, après 4 heures de temps, il n'est pas arrivé, il joue un nouveau verdict, il est à la caillou, il est dismiss. Ok? Mais pour journée, il a fait deux demandes. Il a demandé d'abord pour que le juge la voie par écrit. Ok? Je te voulais par écrit pour juge la voie toute instruction qu'elle te baille. Après, juge la balle, instruction qu'elle a décidé. Mais je te demande tout pour que tu es capable d'entendre une autre fois et témoignage de David Péquer avec témoignage de Michael Cohen. Ok? Instruction et témoignage de Demounsaï. C'est ça que je te demande. Donc, il faut nous comprendre. On dit sur le plan théorique qui s'allie. Là, jugement fini, juge yon doit chita, yon doit fini par ça jeudi. Tant capable de faire un jour, 4 heures de temps, ou bien capable tout faire un mois. Ok? Parce que yon ka pran le temps qu'il faut avant pour yon délibérer, avant pour yon décider. Automatiquement, yon a décidé. Donald Trump convict, donc à ce moment de la durée, là encore, le juge là, et t'as pompé le temps avant pour le bail décision ça, et pour le décider, parce que le bail juge là ça, décider qui type de sentence que doit le bail Donald Trump. Qu'est-ce que ça va nous dire? Le juge là, t'es bien droit décider si Donald Trump condamné, pas bail prison, bail une sorte de probation. Ok, ça veut dire un monde qui en résidence surveillée. Mais on est d'accord tout que après condamnation,
équipe Donald Trump, là même, j'en ai tout jugement, comme ça, elle est toujours dans le système judiciaire là. Yo gen droit pour dire bon nous-mêmes, nous allons aller dans la pile. Ok? Yo gen droit à ça. Yo gen droit à dire que vous allez dans la pile. Jury a t'étendu n'importe 22 témoins à travers ça. On va qui pour presque 6 semaines. Je ne j'ai dit à nous en bout de lit. Donc, but, à pile là. Mais à pile là, pas bien dit qu'on va condamner ou toujours sont condamnés. Donc, à moins que la pile là t'a dit et font camper condamnation, on va qu'il délibère. Ok? Donc, très bien, monsieur a bien pour aller dans la pile. Maintenant, vraisemblablement, ou capable de trouver une situation où effectivement on a Donald Trump convicté qui pourrait aller dans l'élection. Et c'est ça que nous devons faire en plus pour comprendre et analyser. Pour dire que, il y a un individu qui est condamné, il y a un condamné, il y a un convicté comme candidat, il y a une problématique pour l'équipe Trump, surtout avec les indépendants. Donc la problématique pour l'équipe Trump, surtout avec les indépendants. Et c'est ça l'équipe a essayé d'éviter. Et malheureusement, il n'y a pas de temps, et il n'y a pas de temps justement combattre ça. Et c'est l'unique jugement qui va définitivement qui va arriver statué avant l'élection. Pour nous rappeler tout le monde, j'ai une histoire, ça a commencé qui débouchait sous Donald Trump, j'en ai là. Mais ça qui menait Donald Trump dans cause ça. Dans l'année 2015, Donald Trump a rencontré avec David Pecker, qui était témoigné là, qui est un directeur, un CEO. Et j'étais rencontré avec lui dans Trump Tower. Et job monsieur, il est pour te servir. J'ai avec Zoré Trump, dans quatre campagnes là, pour déterminer toute histoire négative. Ok? Et puis la guerre, l'homme Michael Cohen pour fixer. Donc c'était ça, job, tenez bien, David Pecker. C'est en 2016, Trump a discuté de causer $150,000, ça nous est les hush money. L'argent pour le bail, un playboy modèle, mon qui joue dans, mon qui des actrices de porno, qui c'est M. Douglas, Dougal, parce que c'est ça. Il a discuté avec Michael Cohen de comme ça, $150,000. Et en secret, et c'est là où je suis là, en secret, Michael Cohen record conversation ça. Ok, c'est là. Michael Cohen, bien conversation, ça record. Avocat est toujours intelligent. Hein? Donc, Dougala, t'es bien, ça t'a relé. Tu vas sous côté avec Trump. Depuis le commencement 2006. Que dans Trump, tu sais menti. Mais aucun tel. En octobre 2016, Washington Post mettait derrière un audio accès aux vidéos. Qui montrait que Donald Trump a utilisé des séries de langage, nous changeons ça, très vulgaire et très dérangeant, très diminuant, formio. Et un show qui était host par Billy Bush. 27 octobre 2016, d'après vos secrétaires, Cohen payait Daniel $135,000. En fait, $130,000, précisément. À travers avocat dame. Et c'est une Shell compagnie. Quand ça compte Shell compagnie, son compagnie a passé par lui-même pour faire exchange ça. Pour justement, pour que Daniel capable de faire silence sous cause ça, qu'il a gagné avec Trump depuis bien longtemps. $130,000, ok? Une somme qui était séparée entre $150,000 que vous avez payé Dougal, ok? Donald Trump dit bagay ça yo. Il va te gagner un ken bagay, il va te faire sous de yon, il va te payer, j'en savais. Donald Trump finalement est venu gagner l'élection, nous songeons ça, novembre 2016, il était tourné 45e président. Février 2017, le secrétaire a dit Cohen, en fait, avocat, Trump, là, il va rentrer avec Trump dans la Maison Blanche pour confirmer, ok, que il rembourse comme ça. Ok? Sur un plan, Cohen a voyé yon voice côté que yon mande l'argent pour se pour le dire son travail légal que t'as fait et d'accord et recevoir comme là il salte. Ok, eh bien dans l'année 2018 breaking news Wall Street Journal on le fait encore mettez nouvelle là d'ailleurs
que Cohen justement payé comme ça. Et par la suite, nous connaissons de c'est ça. Puisque vous venez que monsieur a utilisé comme campagne. C'est faux, non? C'est un bagage qui est complètement illégal. Pour le payer, qui est encore, guys, pour le payer? Actrice de porno. Donc, mais ça qui bite là, qui mène à cause ça là, parce que il pas oublier qu'il y a un avocat là-dedans qui fait magouille parce qu'il n'a pas un business, record business. Il est strict dans ce sens ça. Il est strict tout dans cause élection. Qui j'ai encore à utiliser. Il est strict. C'est ça pour nous comprendre. C'est pour respecter la loi, justement, qui l'a gagné, monsieur, dans cause ça, je ne vous dis. Donc voilà. Est-ce que demain, parce que tout le monde suspend ça, m'a nous comprendre ça. Tout le monde attend. Si je prenais l'air côté des gens, qui s'ajoute à avoir décidé. Et laissez-moi dire, nous, gars, j'en ai dit avant-hier. Si le jury a décidé pour n'importe 34 accusations, vous ne trouvez pas ta coupable pour yon. Ah, démocrate, yo, vraiment, a gagné pour yon monter le ciel par dos. C'est ça, vous nous comprenez. Dans quelque soit 100 jurys à décider là, républicain ou démocrate pour le gagner pour payer le prix fort. C'est ça qui parle sortir là. On a prendre. Républicain ou démocrate, on dit précisément, Trump ou Biden a gagné pour payer au prix fort. Délibération que jury ça a gagné pour faire n'importe quoi. Je dis à vous pas arriver à délibérer, mais vous avez toute liberté. Yo. Demain, vous avez gagné pour vous réunir. Et si effectivement vous concluez, dans un sens ou dans l'autre, répercussion. Hein, libre vraiment énorme, que ce soit du côté des républicains ou encore du côté des démocrates.